Ils sont des milliers et marchent pendant des jours sous un soleil de plomb. Tous sont refoulés d'Algérie, abandonnés dans le désert du Sahara à quelques kilomètres de la frontière nigérienne. Sur place, ces hommes, femmes et enfants manifestent leur colère. Ils sont plus de 4000 à attendre d'être pris en charge dans le centre de transit des Nations Unies. Malgré les sollicitations des migrants, interdiction de tourner dans ce centre géré par l'OIM, un centre qui accueille 1400 migrants et dont les capacités d'accueil sont saturées. Dans ce climat tendu, cette équipe d'humanitaires tente de calmer les manifestants. Ceux qui sont à l'intérieur du centre, qui seront identifiés à la base de leur numéro, les numéros d'enregistrement dans le centre. Ils vont partir à Arlit, ils vont libérer de la place et ceux qui sont dehors vont rentrer. Et pas tous, parce que la capacité du centre, vous-même vous voyez la capacité du centre. Une situation insupportable pour Abou Soufiane et ses camarades venus de toute la sous-région. Ils attendent depuis plusieurs mois une assistance humanitaire dans cette prison à ciel ouvert. Le soir, c'est là où on s'installe pour dormir. Et le matin, on se cache derrière le mur-ci. C'est-à-dire, on suit seulement là où l'ombre passe, les rayons solaires. Ce n'est pas un lieu où on peut déposer les migrants. Et dans le désert, il n'y a pas de travail ni quoi. Et on a beaucoup qui ont perdu la vie ici. C'est-à-dire, ils nous regardent comme des chiens. Nous ne sommes pas des humains. Pour survivre, les migrants consomment cette eau sale. Elle provoque la dysenterie dont beaucoup souffrent ici, ainsi que d'autres maladies comme la tuberculose ou encore la gale. Quant à la nourriture, on se débrouille ici avec les moyens du bord. Pour cette humanitaire de Médecins Sans Frontières qui appuie le centre de santé du village, les conditions sanitaires sont catastrophiques. Devant nous, c'est le ceci. Les espaces sont occupés. Il n'y a pas d'eau, les gens ne se lavent pas. Non. Même notre personnel, vraiment, ils sont envahis par une forte odeur. Tout ce que vous voyez ici en noir, ce n'est pas des pierres, ce n'est pas des sachets en plastique, mais ce sont les gens qui ont déféqué partout. Les autorités nigériennes ont demandé aux organisations humanitaires présentes dans la région d'Agadez de se mobiliser pour soulager les communautés d'Assamaka et mettre fin à ce drame humanitaire.